C'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille, tout pareil sur Instagram si vous voulez me suivre. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo. Oh le tissu, oui, je sais, j'avais dit Tatiana, tu réduis ton stock. Nouvelle résolution de l'année, tu réduis ton stock. Voilà, deuxième vidéo de l'année. Oh le tissu, voilà, tout va bien. Non. J'avais besoin d'un tissu en particulier, ça c'est sûr, pour un défi couture. Donc voilà. Et les autres tissus que j'ai achetés, je peux vous assurer que j'ai les projets qui vont avec. Je sais ce que je vais faire avec, sauf peut-être un ou deux. Mais ça me faisait plaisir de les acheter. Bref. Et puis vous verrez dans mon prochain bilan couture que quand même j'ai cousu, j'ai cousu un petit peu. Donc et puis ça me faisait plaisir. Et faut se faire plaisir de temps en temps. Voilà. Donc avant de commencer ce haul, je voulais remercier tous ceux qui me suivent depuis le début ou pas. Enfin, le début. De toute façon, ça fait pas hyper longtemps que je fais des vidéos, donc je voulais vous remercier. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu quelques-uns, donc je suis ravie, très contente. J'espère que les prochaines vidéos continueront à vous plaire. N'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages parce que je réponds à tous les messages. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur, sur la couture. Général, allez-y, voilà, moi je réponds. Bref, donc on va commencer. Et oui, on va commencer. De toute façon, je pense que ça sera une vidéo relativement courte par rapport à ma précédente vidéo où j'avais fait un vlog, donc c'était un petit peu plus long. Je vous mets le petit lien, voilà, pour aller le voir. N'hésitez pas. Donc, je vais commencer par. Je suis allée chez Quartier des Tissus parce qu'il me fallait de la mercerie. Voilà, donc c'est pareil, ça vous verrez. Enfin, on le voit dans mon vlog en fait, j'ai mis quelques photos et vidéos. Ah oui, l'assistant vous dit bonjour. Bonjour, Loulou. Oui. Voilà. Voilà. Ça y est, t'as dit bonjour. On peut continuer? Donc, je disais, je suis allée chez Quartier des Tissus pour acheter de la mercerie. Vous voyez ça dans mon vlog. Donc, c'est quand même très compliqué d'aller dans un magasin de tissus pour aller acheter juste de la mercerie et s'interdire d'acheter du tissu, surtout pendant les soldes. Enfin. C'est anecdotique les soldes puisque ce que j'ai choisi n'était pas en solde. C'est pas grave. Donc je me suis autorisée un tissu pour un projet précis. Je me suis dit, bon, allez, fais-toi plaisir, tu as le droit de te prendre un tissu, mais il faut que tu saches ce que tu couds avec. C'était dans tes bonnes résolutions. Donc je m'y suis tenue, figurez-vous. Donc j'ai acheté ce petit velours côtelé qui est de toute beauté. Alors c'est des petites côtes. Je ne sais pas si vous verrez les côtes du coup sur la vidéo aussi. Là on les voit. Voilà. Donc enfin rose. Aubergine. Ouais. Ça va pas du tout avec le rouge que j'ai en dessous. Aubergine à petites fleurs. Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup. Et je vais faire une veste avec. Je vous mettrai un dessin de la veste qui est un patron que j'ai dans mon stock, dans un livre de ma bibliothèque. Donc, pareil, je continue sur bonne résolution puisque j'avais dit que j'essaierai de mieux exploiter les livres de couture que j'avais à la maison. Ça va être le cas pour ce projet-là. Bon, bien évidemment, qui dit veste dit doublure. Et en réfléchissant, je me suis dit, je vais pas avoir de doublure qui va aller avec ça.
J'ai même pas, je pense, de. Je regarde par là parce que mon tissu est par là. De coupons de tissu blanc ou écru ou beige. Donc il a bien fallu acheter. Le cash. Il a bien fallu acheter la doublure pour aller avec. Donc j'ai pris un vieux rose qui tient un petit peu sur le violet. C'est très joli. Voilà, ça sera très. Ça ira très très bien avec. Et donc, bah, j'en ai pris plus qu'il n'en faut, puisque il y a Doudou qui est juste devant la caméra. C'est cool, donc je ne me vois pas du tout. Il veut pas aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pris ce tissu-là et j'en ai pris plus qu'il n'en faut pour la doublure parce que je voudrais faire un petit top pour aller avec la veste aussi du coup. J'ai pas encore choisi le modèle, mais ça, j'ai beaucoup de patrons de petits tops dans ma Batrontech, donc je trouverai, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir des pièces qui vont ensemble. Je trouve que c'est une bonne. Il y a plusieurs youtubeuses qui partent là-dessus, dans cet esprit-là, essayer de coudre des pièces qui vont ensemble pour. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le fleuri, mais si je ne fais que des pièces fleuries, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir les mettre ensemble. Trop de motifs, tu le motifs, on est d'accord. Donc, je vais essayer, voilà, de faire des petites associations comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Voilà pour quartier des tissus. Je vous mettrai si je trouve le nom, parce que dans les tickets de caisse de quartier des tissus, il n'y a pas les références des tissus. Il y a juste les prix. D'ailleurs, je vous ai pas dit les prix. Le velours, il était à 14,90 le mètre. J'en ai pris 2 mètres. Et le petit coton, 7,90 le mètre. Et j'en ai pris 2 mètres aussi. Voilà. Et donc, j'ai pris de la mercerie, des aiguilles. Enfin, voilà. Voilà pour quartier des tissus. J'ai été quand même raisonnable, je me suis dit un tissu, pas plus. Bon, il y en a deux, mais ils vont ensemble, donc ça fait un. Ensuite, j'ai fait une commande chez Rascol parce qu'il me fallait aussi de la mercerie un peu particulière. Je vais vous montrer. Désolée si vous voyez mes fesses, je couperai peut-être. Donc j'ai acheté des aiguilles. Pardon pour le bruit, mon tabouret il fait un bruit d'enfer. C'était. Est-ce que je vais avoir. Ah! Ouh là là! Est-ce que je vais avoir ce que je voulais vous montrer? Oui, vous voyez que j'ai bien préparé encore ma vidéo, n'est-ce pas? Oui, ça va bien. Alors, donc j'ai un défi couture ce mois-ci. On est le 20, il me reste 10 jours, donc il faut vraiment que je m'y mette. C'est un jean. Donc j'ai commandé chez Rascol, il y avait ces fils spécial jean. De chez Gutermann. Ça m'a coûté 12,95 €. Vous avez 6 fils différents par 100 mètres. Donc vous avez les fils pour faire des surpiqûres. Ça va être très bien. Comme j'hésitais entre ces deux couleurs-là, et ben finalement j'ai pris le 7 en me disant, bah écoute, si tu arrives à faire ce jean, tu en feras probablement d'autres. Donc ça servira. Voilà, donc je suis contente d'avoir pris ça. Et j'ai pris des aiguilles à jean. Donc tout simple, hein, 2,65 € les aiguilles à jean de chez Schmetz. Et une aiguille double à jean aussi de chez Schmetz. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais j'aime bien avoir. Les aiguilles, de toute façon, ça sert. Donc
C'est pas un achat du tout irraisonné. Ensuite, chez Rascol, toujours, j'ai pris. J'ai un peu. Ben, je le trouvais trop joli, quoi. J'ai pris un tissu sweat. Oh, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Regardez-moi cette beauté, si c'est pas joli. Voilà, donc c'est un tissu sweat fleurs sauvages fond bleu pétrole. L'intérieur est tout doux. Il est super agréable. Vraiment bien, bien stretch comme il faut. Donc celui-ci, il a coûté 16,90 € du mètre. Il m'a coûté un petit peu cher parce que j'en ai pris 2,50 m. Mais vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je sais plus la marque. Je vous dirai la marque du tissu parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai un trou de mémoire, mais je vous dirai. Et donc, c'est pour faire la robe cocon de l'usine à bulles dedans. Oui, je ne l'ai pas trop assortie. Doudou! Je ne l'ai pas trop assortie. Voilà. Oh, ça va être beau. Oh, j'ai hâte. Mais j'ai d'abord mon jean à coudre avant. Bref. Donc, 2,50 m. Voilà. Voilà pour Rascol. Ensuite, donc, j'ai fait une commande au coupon de Saint-Pierre. À commencer par le fameux jean qu'il me fallait. Voilà, donc c'est du jean brut assez foncé. Voilà, moi c'est la couleur que j'aime bien. Vous voyez, avec le fil ocre, ça va être super. Maintenant, il faut le coudre. Dit comme ça, là, sur le papier, c'est chouette, c'est terrible. Ça me plaît. Mais il faut arriver à le coudre. Et je vous rappelle que le patron, c'est le pantalon Philippine de C'est moi le patron, donc Coralie Bijasson. Doudou! Ce chat, non mais ce chat, je vous assure. Je sais que vous l'aimez, hein, le chat, mais pour tourner, je vous assure que c'est pas l'assistant le plus facile à vivre. Heureusement que je l'adore. Hein. Bref, donc le jean, je l'ai payé 15 € les 3 mètres. Donc pour une première, je trouve que c'est très bien, c'est vraiment pas cher. Et du coup, il me restera des chutes, donc je pense que je ferai peut-être des choses pour les enfants dedans. Voilà. On verra ça. Ensuite, j'ai pris un tissu sweat minky couleur jade. Bien épais. Voilà. Avec moumoute intégrée. Donc ça c'est l'extérieur, donc c'est lisse, mais c'est doux. À l'intérieur c'est moumoute. C'est de saison ça. Ça c'est de saison. Donc je vais faire un pull à mon mari. Bon, il y a 3 mètres. Hein. Donc j'ai payé ça 30 € les 3 mètres. 10 € le mètre, ça fait vraiment pas très cher pour la qualité que c'est. Il est vraiment top. J'espère qu'il va pas boulocher au lavage. Je serais déçue, mais bon. Donc je disais, je vais faire un pull pour mon mari, donc un sweat ou un pull. Peut-être le décontracté des beaux gosses ou alors le pull robe de la maison Victor. Je sais pas encore. Un des deux. Peut-être le décontracté parce que le col avec un truc aussi épais, je sais pas si ça va lui plaire. Et j'aimerais bien me faire un sweat aussi, un pull aussi pour moi dedans. Voilà, pour la maison ou pour aller se promener, ça sera très bien. Il est hyper doux, quoi. Et peut-être un pull pour mon fils.
aussi, ça sera bien chaud. Je vais voir ce que je peux placer dedans. Bon, il y a 3 mètres, donc il y a moyen quand même de faire des trucs, de faire au moins 2 projets. Voilà. Donc ça, je suis hyper contente. Ensuite, j'ai pris un jersey floqué imprimé astre noir. Alors celui-là, c'est peut-être... Non, les deux derniers, c'est peut-être ceux où j'ai moins défini le projet, de projet pour aller avec. J'avoue, mais je les trouve super beaux. Donc là, c'est un jersey assez fin. Un peu transparent quand on met à la lumière. Oui, complètement. Voilà, mes portées. Donc ça, je pense je pense des t-shirts, des choses comme ça. Je sais pas trop en fait, mais je l'aime beaucoup. En fait, je pense qu'il est trop léger pour une robe. Enfin, je sais pas, non, j'en sais rien. Si vous avez des idées, dites-moi. Franchement, il est vraiment très fluide. Ouais, il est vraiment très fluide. Alors, j'ai 3 mètres, donc c'est pareil, je peux faire plusieurs projets dedans. Je pensais à un petit top. Mais bon, pourquoi pas une robe finalement? Il est peut-être un peu transparent pour une robe. Dites-moi ce que vous en pensez. Je veux bien vos idées pour le coup. Voilà, ça m'intéresse. Et il est vraiment. Et il est très extensible, ouais. Moins dans ce sens-là d'ailleurs. Mais alors, dans ce sens-là, il est vraiment très extensible. Pas de soucis. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous verrez dedans. Ce que vous verriez dedans. Et enfin le dernier, qui est un jersey jacquard floqué à fleurs. C'est joli quand même. Ah oh ouais, c'est beau. Là, je pense me faire une robe. Clairement. Il est plus épais que l'autre. Non. Il est quand même très il est un peu plus raide, ouais. Mais il est beau, hein, avec ses fleurs là. Son gris chiné là un peu. Les fleurs, elles ont un toucher parce que velours les fleurs. C'est très joli. Donc ça, j'ai payé ça 18 euros les 3 mètres. Bon. Une jupe, sinon. Une robe. Voilà mes petits achats. Vous voyez, c'est pas... C'est une vidéo relativement courte. Si j'ai comment... J'ai pris un patron aussi, je sais plus où je l'ai acheté, en librairie. Je suis tombée dessus parce que c'est une collection. J'ai déjà un patron de cette collection, les éditions La Plage. Voilà, il y a le patron qui se barre. Donc c'est la robe d'été de Carmen Bouchard. Donc vous avez les tailles de 36 au 52. Donc c'est quand même un panel de tailles vraiment intéressant. Vous avez plusieurs versions possibles. Change de côté. Voilà, moi j'aime bien un peu toutes les versions. Là c'est la version cache-cœur qui est très mignonne. Celle-ci est toute simple, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, et puis en Vichy comme sur la couverture, je trouve ça très joli. Donc voilà, je suis sûre de réaliser ça. Je l'ai pris parce que vraiment je suis sûre de le réaliser.
Ce genre de petite robe, moi j'aime beaucoup, même si en Bretagne on n'en met pas tous les 4 matins, je vous l'accorde. Non mais, ça c'est la version la plus simple, mais alors en Vichy comme ça, c'est trop mignon. Petit côté vintage rétro que j'aime beaucoup. Et puis c'est quand même, vous avez des pinces, voilà, il y a des pinces sur le. Des pinces en haut, des pinces en bas, des pinces sur côté. Non, elle est vraiment jolie, quoi. Voilà. Et puis j'aime bien ces. Voilà, j'aime bien ces patrons-là. Ils sont bien expliqués. Enfin, celui que j'ai en tout cas était très bien expliqué, la robe raglan. Il y a plein de points techniques. Non, je suis très contente de mon achat. Je vais pas la faire tout de suite, tout de suite. Je suis d'accord parce que c'est pas vraiment de saison, mais ma foi, ça me plaît beaucoup. Et je me dis dans un tissu comme celui-là, là, ça fera très très estival. On est d'accord. Mon petit coupon tissu qui vient de chez que j'avais acheté chez Irel Tissu là, que j'ai pas utilisé encore, j'ai même pas lavé encore, mais ça sera super. Monsieur, si, peut-être. Oui, donc voilà. Donc c'était un achat raisonné, je vous l'assure. Voilà. Si je suis pas crédible, tant pis. Mais voilà, je suis contente de mes achats et je pense que vous les reverrez, certains tissus, vous les reverrez assez rapidement dans un bilan couture, normalement. Et puis voilà, j'ai essayé de me raisonner un petit peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc effectivement, c'est une vidéo assez courte. Je crois que j'en ai jamais fait d'aussi courte pour l'instant. J'espère que ça vous a plu quand même, ce petit haul tissu. Et puis, eh ben, j'attends vos idées pour ce tissu-là, hein. Je compte sur vous. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Laissez-moi un commentaire et on papotera. Voilà. Salut!